Ce soir, on va régler les problèmes. Maxime Blanc. Maxime Blanc. Maxime Blanc. Il est en maximum de 33 tranquilles. Maxime Blanc. C'est bien de faire une voix sur Instagram. Faites la face du même bouffon. Ton fan club est là. Ta pointe de baltringue est là. Écoute, Pander. Maxime Blanc, papa est là. Sur la chatte, la pointe de chatte, on va régler les problèmes. Maxime Blanc, j'ai apporté une paire de gants pour chacun d'entre nous. On va se battre pour de vrai. Ils vont me montrer aux gens si t'es un homme ou pas. Personne ne va se mêler. Autour de moi, c'est pas des Yorkies, c'est des vrais boxeurs. Donc je te préviens, ramène pas ta famille de baltringue, ça sera pas hors ligne ici. Maintenant, on va régler nos problèmes entre toi et moi. Maxime Blanc, pour la lutte chez moi maintenant. Maxime Blanc, la bouffonnerie est terminée. Bah, Anouna, fais pas semblant, escroc. Anouna, défends pas ton beau-père. Ne fais pas son fan club. Ne lui lèche pas le cul. Fais-le sortir et fais pas ton père atteint. Anouna, il est temps d'assumer. La comédie est terminée. Ah, Internet, ça fait pousser les couilles. Internet, ça fait pousser les couilles. Mais la réalité, c'est autre chose. Les grandes gueules qui m'avaient donné rendez-vous dans une boîte de nuit, je suis parti chez ta mère et je repasserai quand je voudrais. Sache, mon bouffon, que ce soir, on va régler les problèmes. Maxime Blanc, je suis pas dans le rap, moi. Maxime Blanc, il n'y a pas d'élite. Maxime Blanc, dites ce mot dans la forêt. Fils à papa, quand tu bouffais des sandwichs au saumon, je mangeais des sandwichs à la catalane. Sale fils à papa. Maxime Blanc, viens avec Biscotte. Maxime Blanc. Froid. Okay.
C'est l'info là. Il y a d'autres personnes à côté, on force le passage. Parce que là, il y a d'autres personnes à côté. Ouais, on se recoupe. J'ai compris le message. Ok, rapide, hein. T'inquiétez pas. C'est toi, BR. Maxi Blair. Qui? C'est toi, BR. Non. Tu fais combien de vues là? Presque 1000. T'es connu? C'est quoi ton blaze? J'ai pas de blaze, mon ami. Ah bah, c'est... Espèce de salope! Arrête de te flanquer, espèce de salope! Maxi Blair! Maxi Blair! Maxi Blair! Maxi Blair! Te planque pas, c'est l'air! C'est l'air de fumer, sale profond! Maxi Blair! Je suis à Pointe-Poulogne! Maxi Blair! Tu te sens... On va voir si t'es ici ce soir! Maxi Blair! Aluna! Sors du plateau! Aluna! Appelle tes amis pour tout! Aluna! La comédie est terminée! Maxi Blair! Ah, la porte est sous! Maxi Blair! Ah, la porte! Les cartes de feu! Il y a un bateau ou pas?
Direct, il ferme. Ouais, il ferme, ils disent rien. Ouais. Vas-y, venez, suivez-moi, accompagnez-moi. Vous êtes dans la voiture ? Tout téléphone, comment ça se passe? Ce qui est important, c'est qu'il entend. Moi, il y a votre problème, il n'est pas venu pour forcer. Il veut pas venir. Hein? Donc, auriez-vous l'amabilité de lui dire à ce putain de tocard que je suis là? Ah, mais il le sait. Mais parce qu'apparemment, il fut un temps, monsieur avait sa grande gueule que soi-disant il cherchait. On le savait. Donc maintenant, il est temps qu'on règle nos problèmes. Donc, je vais faire 40 minutes. Voilà, vous avez la preuve par A plus B que votre idole, c'est une merde. On rentre en force. Maintenant, il est l'heure de régler le problème. Oh, pas gentiment. Sans penser. Là, ça va être la mise à l'amende du siècle. Hey, il voulait jouer voyou. Non, mais j'ai entendu des mecs qui m'ont dit là. Tu sais que ça, c'est l'outrage de montage. Wow, c'est chaud. Non, les hommes, comme ça, je suis appliqué, là, mec, je l'ai plus. Voilà, j'ai rien foutu.
Ah non, parce que le mec il a une grande gueule sur internet, il fait le malin devant des petits gamins de 15 ans et que le voyou. Il y a toujours la suite de la droite. Voyou maintenant, je vais te mettre sur la dépanneuse, on va voir ça. Je vais montrer la vraie vie, c'est pas tout ça le bon train. Il y aura du monde, tu verras du monde. Ah mais vas-y, il y a des images. Ah, rien. Ils veulent pas faire de bruit, hein. Ouais. C'est sûr qu'ils entendent en direct. C'est net là. Je vous préviens, Maxime Blas a appelé la police. Maxime Blas a appelé la police. J'ai une fiche de recherche, les gars. Voilà, je vais. Sur le plateau dans 5 minutes. Il y a un mec qui me le dit là. Là il arrive au plateau. Là il y a marqué là. Espèce de paltrin. Sur le plateau. C'est là, c'est. Ah voilà, il m'a fait gagner. Hein? Non, mais je sais pas, il y a un mec qui m'a marqué ça là. Les hommes, monsieur. Ils ont fermé la porte, ils sont mis en sécurité dedans. Ce bâtard là. Ça part, monsieur. Bon, merde. On va s'en la porte, on va en profondeur. Alors, mon frère, tu continues. Et sur la droite, tu il y a le monoprix. Il y a le monoprix. Et là, c'est la première fois. Ouais. Il y a là, il 10% chacun. Non, non, pas ça. 1500 personnes. Aïe, aïe, aïe. What's up, boss? J'ai bossé.
Il y a deux entrées. Ouais. C'est là. Il y a deux entrées. Est-ce qu'à l'autre entrée, il y a quelqu'un? Je sais pas s'il y a. Va voir. L'autre entrée. Il est même pas là. J'ai géré les polices. Mais alors, tu as dit quoi? J'aurais dit écouter ces sortes de buzzer. Ouais, c'est bon, donc c'est sens. Oui, quand même. Je me dis, il n'y a pas de raison. Tu vas monter au pied, mon coup. Je crois. Parle aux gens. Laisse-leur un message. Comment? Moi, c'est un message, là. Parle. Ah, petit message à toutes les baltringues qui ouvrent leur gueule sur Internet. Sachez tous qu'un jour ou l'autre, vous allez me rencontrer. Sachez tous que ça fera comme Maxi Blarf. Ça va vous faire très très bizarre quand je vais débarquer. Au moment où vous attendrez pas, c'est toujours comme ça chez moi. Tous ceux qui ouvrent leur gueule façon Maxi Blarf, grande gueule, tatati, cher carton, et ceci et cela, vous allez me rencontrer tôt ou tard dans votre vie. Mais quand vous me rencontrerez, il faudra assumer. Ça sera l'heure. Et ça sera pas comme dans les films. Ça sera pas Internet. Je suis pas un bouffon. Et les bagarres à deux balles, ça va pas être la même avec moi. Maintenant, restez patiemment. Restez là, soyez patients. J'attends Maxi Blarf. Là maintenant, comme il disait, la seule issue c'est la bagarre. C'est mon travail. It's my job. Je fais ça tous les jours. Donc maintenant c'est l'heure de montrer. Là maintenant on va voir qui est qui fait quoi. Hein? Là pendant ce temps-là, c'est sur internet, la casquette à l'envers, faire le bouffon devant des gamins. Maintenant, là il n'y a plus personne. Hein, ça dépasse à 19h05. 19h30, c'est encore en coulisses. Espèce de salope. Tu vois, là t'es en direct. Là, tout le monde va être au courant. Là, tout le monde voit que je suis à Boulogne, dans ton quartier pseudo cité de Caïra. C'est quoi Boulogne-Billancourt? Quartier de bourgeois de bidon, va. Hein, Boulogne-Billancourt, le bitume de Boulogne. C'est ça, Boulogne? Une paltringue. Oui, la ville. Oh là là. Ah oui, y a pas la... On voit les exemples. Ah, maintenant, on va voir c'est quoi le concret. Le concret. Entre les mythos. Et la rue. Et la vraie. Et la vraie vie. C'est la fée, Marc. Maxi Blanc. Te cache pas avec Hanouna. Ils ont parlé de... Maxi Blanc. Ils ont parlé qu'il est dehors là, ça y est. Ouais. Il est temps d'assumer. Passe-moi les gants. Les gants. Passe-moi l'autre paire de gants. Comme ça, je lui offre. Vous êtes tous témoins. J'ai apporté deux paires de gants. Une paire pour Maxi Blanc et une paire pour papa. Clignez pas des yeux, ça va durer 3 secondes s'il vient. 3 secondes. Les enfants, les moins de 18 ans, veuillez fermer les yeux. Vous allez voir la réalité, c'est pas Facebook, Instagram et compagnie. Il est temps d'assumer, salope. Maxi Blanc, donne-moi pas ton chat et je te laisse. Ta femme, c'est ma femme, ta vie, c'est ma vie. À partir du moment où tu vas partir, à partir de maintenant tu vas partir sans paltrin. On l'appelle pas Mouba dans moi, c'est Maxi Blanc. Est-ce que c'est clair? Oh, c'est bon. La bagarre. La seule issue, c'est la bagarre. Passe-moi un autre pote, passe-moi un autre pote, vous le faire. Non. Aïe Douda! Sortez pas de baratin sur le plateau! On est là pour la réalité! Là, c'est pas de la comédie! Fais ça sur ce profond de ce plateau! Il est de venir sur le bitume comme il dit dans ce chanson de bidon! Il faut pas rentrer les gens là, il faut passer les gens de l'autre côté. Ils sont partis de l'autre côté là-bas. Ils sont passés là-haut ? Ouais, ils sont partis de l'autre côté. Ils sont partis de l'autre côté. Allez ! On y va. Monte, on y va. Ouais !
Regarde. Il y a quoi, il a dit, je suis la rapide. Donc on y est, je sais pas, moi, en tout cas je vais aller voir. Je sais pas ce que je vais aller voir, mais en tout cas je vais aller voir, je l'ai suivi. Il y va avec son camion, bah ouais. Hein. Non, je sais pas, je sais pas. Il va l'attaquer. Bouge. L'autre côté, parce que les joueurs ont voulu rentrer, ils ont dit non, allez l'autre côté là-bas. Ils sont rentrés déjà. Ils sont rentrés ? Ouais, ils sont rentrés, c'est juste là, là. Bah oui, bah oui, bah oui. Passe là, là, là. Là, là, passe par là. Avance. Là, là, l'entrée là, là, ici. Ici. Là, là. Avance, avance, avance. Avance, un petit peu. Avance. Là, là, là. Vas-y, viens, viens, viens. Vas-y, viens, viens, viens. Oh, putain. Ils sont entrés là, là. Là ou là? Là, là. Tiens, ils sont là, regarde. Ah, il est entré, il est entré. Ils ont claqué. Ça arrive. La fermée direct. La fermée direct. Il y a une entrée ou quoi là-bas? Non, c'est celle-là ou celle-là? Les deux là. Une des deux, ouais, j'en suis direct. Ah, il a fui la tempe. Non, reste là. Alors, quel côté, c'est quel côté? C'était là, c'était là, c'était là. Il a fermé. Dès qu'on est arrivé là, claquez la porte. Vous fermez les portes. Vous vous enfermez comme des gars devant vos plateaux. Vous êtes une bande de putes. Ah, je vous ai une salope. Je te le dis clairement, je suis pas ton fan, je m'en bats les couilles. T'as pas de couilles. Et tu ramènes une salope à internet. Vous êtes des comédiens sur vos chaînes de merde. Parce que moi je suis là, j'aurais dû faire tout le tour. Ouais. Moi je suis là, ils ont vu son paquet. Soi-disant des combats, soi-disant des bagarres, c'est mon métier. Viens me montrer la bagarre maintenant. Viens me montrer qui tu es, espèce de bouffon sur ta télé. C'est bon. Oh, ben, je... Faut que je filme, 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 filme. Mais là... Mais là... Maxime, pas d'inquiétude. Je suis venu pour Maxime là. Frérot, là on est en train de faire une émission en direct, donc vas-y, arrêtez de faire du bruit s'il vous plaît les gars, merci. Attends, quitte la compression. S'il vous plaît, merci. Ouais, bonne compression. T'as vu, tu vas pas passer personne. Non, mais je te le dis, mets pas de compression, c'est pas... Non, mais je te le dis, parce que t'es arrivé avec ton compression, t'as vu. Mais pas avec tes compressions. Oh non, je préfère. Vous pouvez pas rentrer là, c'est un truc de bâtiment privé. Non, mais on a bien compris, on a juste, regarde.
On a demandé qu'il vienne, frérot. Voilà. Personne ne vient. Bah, Anouma, comme quand on est là. Il n'y a pas de problème, il sera juste mis au courant. C'est la pub, là. Non, mais c'est très bas, vous ne pouvez pas rentrer comme ça, les gars. On va pas rentrer. On t'a dit de venir. On a monté depuis tout à l'heure. Voilà. Moi, je vais pas trop. On est là-bas, on leur dit. La sécurité, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment la porte. Non, parce que là, il a laissé la porte ouverte. La sécurité du bâtiment qui s'occupe de ça, ouais, et la sécurité du bateau, dont moi et mes collègues. Ouais, ça, je bien. Donc nous, maintenant, on va prendre votre message. Voilà. On va dire ça à l'élection. On n'est pas là pour foutre la merde. Pas foutre la merde, je suis dit un de truc, on n'est pas là pour battre la merde. Non, 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 on y va, t'as qu'à faire un tour en tout seul. Non mais viens, 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 viens. Viens, Patrice, viens. Ouais. Il a dit qu'il va prévenir. Préviens, s'il te plaît. Non, on reste là, on est là. On reste là, on reste là. Non, c'est juste là. Non, viens, on est là. On reste là. Arrête de me raconter des trucs. Écoute-moi. On n'a pas 12 ans. Tu vois bien qu'on n'est pas venu truc. On n'a pas de nanana. À 10 francs pour rien. On appelle le mec, vas-y, on y va. T'inquiète pas, je vais reprendre le rang, s'il te plaît. Vas-y, le couple, je prends tout. Je le prends. Rien du tout, tu vas le voir, tu vois, tu règles le problème, il n'y a pas de problème. Viens, je vais prévenir que t'es là, il va te faire rentrer, il décide de faire rentrer, tu vas pas forcer. Tu sais comment on va te faire rentrer. On l'avait voulu forcer. Mais on n'est pas là pour forcer. Tu sais comment il est serré. Mais oui, tu sais comment il est serré. Tu sais très bien quand il y a quelqu'un qui est là, quoi qu'il arrive, il va sortir. Eh ben écoute, je m'en bats le coup, c'est lui, moi. Attends, je te dis que je m'en bats le coup. Là, je suis venu pour le. Pas là pour l'emmerde. Je suis venu pour le. Par exemple, je suis venu pour l'emmerde. Donc attends, je suis en contre le fond, donc dis-lui. Je ramène notre souffle. On n'est pas dans la communauté. Je vais être prévenu. Mais mettez-vous juste à l'extérieur. Mais déjà, on va se mettre là-bas devant l'entrée. Là. Mettez-vous là-bas pour moi. Préviens. Ouais, il voit plus les autres, ils vont nous mettre dehors direct. Tu dis quoi de quoi? Non, c'est bon. Tu sais quoi? Si on aurait voulu, on aurait fait rentrer tout le monde. Écoute-moi. Là, t'as vu, on a fait la version light, après on fait rentrer tout le monde. Ça va être différent. Parce que là, t'as de nanana, je veux lui mettre des pressions à deux balles, il n'y en a pas. Je m'en bats les couilles, moi, de bodybuilding, j'en ai rien à foutre. Il n'y a pas le bodybuilding. Non, mais je te dis, j'en ai rien à foutre. En train de travailler. Non, mais je te le dis, ouais, mais je comprends que tu travailles parce que je connais ce boulot. Bah voilà, mais pareil, pas de pression, on est pareil. Quand tu veux un coup de pression, c'est juste. Ça va, c'est l'os. Lousse. Ouais. Vous êtes vous? Non. On se connaît, c'est des frères. Comment? La famille, c'est le frère. C'est le frangin, je suis un ami. Voilà, on frère, c'est la famille, tu vois. C'est la famille, frérot. Tu sais, il est prévenu. Ouais. Après, il va venir vous voir. Là, on est en direct. D'accord. Après, je pense à la prochaine pub, il va venir vous voir. Personne n'est rentré, regarde. Non, t'as vu? Beaucoup. On aurait voulu, on l'aurait fait rentrer. Là, si vous voulez forcer, on les a laissés dehors. On n'est pas venu faire de. On n'est pas à la place. On n'est pas plus comme on était tout à l'heure. On n'est pas des gamins. T'as vu? C'est le tranquille, il va rentrer. Cyril est là, c'est le trompeur, tu sais comment il est. Je suis là, je viens, je fais mes trucs, je rentre chez moi. Il est là, c'est lui, il est prévenu, il va voir, il va dire ce qu'il va vous dire. Non, mais il est où, Maxime, là? En fait, la seule question que je me pose, c'est Maxime, là. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. En fait, j'ai rien à foutre de. Il est pas là, encore. Non, mais t'es question, pourquoi il sort pas, qu'est-ce qu'il y a à l'envers, là? Il est pas là. Non, mais non, il est temps d'assumer ses petits propos, ça fait là. Ouais, je suis à bout de bien encore. C'est arrivé, moi. Nous, on n'est pas venus pour se bagarrer avec Sylvain. C'est bon, tu te regardes, je sais pas combien de personnes. C'est juste histoire de lui faire comprendre que si il y avait dans sa tête l'impression que ses potes n'allaient pas couper, ça allait prendre un chaos dramatique. Ça, c'est juste question de ce petit boulot qu'on n'est pas remis là. Donc, c'était juste pour lui faire comprendre. Maintenant, le problème, c'est entre lui et moi. Il faut qu'on règle le problème. Il faut qu'il me voie en face, il faut qu'il m'assume. Pourquoi?
Mais justement, parce que j'allais lui montrer ses quatre vérités en face et tout. C'est pas question de pas dans un bâtiment, on n'est pas des bouffons. On n'est pas des bouffons. Après, par rapport à votre manière, vous êtes rentré en force. Vous êtes ceci, on n'est pas rentré en force. Mais non, il est écoute, regarde, ça part, elle est ouverte. Ça part, elle est ouverte, les gars. Ça n'a pas été forcé. Ouais, ça part, elle est ouverte. Mon gars, il a tiré la porte, il s'est barré. Et lui, il a tiré la porte. Je te dis, t'as un truc au-dessus. On va la faire gentiment, il va rentrer sous lui. Frérot, j'ai parlé avec toi. Non, franchement, tu veux pas que je me sente raté, non, vas-y, on va attendre. C'est lui le prévenu, là, c'est le truc. Il va venir, il va voir. Si tu viens, range à parler avec lui. Voilà, on m'a attrapé, vas-y, venez. En fait, je m'en vais. Ça va pas taper. Rien du tout. On n'est même pas là pour ça. On n'est pas là pour ça du tout. On est 50, hein. On est 50 dehors. On rentre. On a dit, on rentre à 5 points. C'est tout. On calme. Tu vois, ça va pas taper. Ça sert à rien. Parce que je pense pas qu'ils vont se voir. Tu crois ? Je pense même pas. Viens, on y va. Ah ouais ? On va les présenter, nous. Tu prends la caméra avec toi ? Viens, on y va. Tiens. Nous, on y va avec lui. Alors, comment ça se passe à plateau ? Comment ils sont ? Avec leur après-midi, là. Ils sont pas encore. Mais quel pédale ce Maxi Blast, quand même. Là, il est en train de se planquer sur son baratin. T'as toujours un décalage. T'as la pub, là ? Ah, j'ai la pub. Après, si tu prends la tête. Tiens, je vais rentrer dans les trucs, là. Il y a l'agenda. Non, il y a des gars, nous, qui bloquent devant. Qu'ils ont bloqué pour pas que tout le monde. Nos gars, ils ont bloqué. Nos gars, ils ont bloqué devant. Ils ont dit personne rentre. Ils voulaient rentrer tous. Hein. On a dit non. C'est pas le but. Ouais, c'est pas le but. Jamais. On est pas là pour foutre la merde. On s'en bat les couilles, on est pas venu pour lui. Je suis venu juste pour Maxi Blast. En fait, je suis venu l'humilier, lui montrer qu'il faut que tu assumes. Arrête de jouer les zoulous sur internet. Maintenant, si t'es un vrai zoulou, viens me voir en face. C'est tout ce que j'ai dit. Je suis pas venu pour m'embrouiller avec je sais pas quoi, faire le zoulou. C'est pas la DNA, elle est plus de balcringue. Non, mais t'as vu, on n'est pas avec des Black Panthers et compagnie là, tout ça. Tous ces trucs de merde. Je suis pas venu pour m'embrouiller. Après, vous, c'est votre c'est pas bon, c'est bon. On s'en bat les couilles, y a pas de méthode. C'est comme les gilets. Les murs, il y a pas de marathon. Mais peu importe. Seul le but. Écoute-moi. On s'en est pas pris à qui que ce soit. On n'est pas venu pour s'embrouiller, ça se voit bien. Le seul truc qui m'a énervé, c'est quand l'autre muscleman il a commencé à monter sur mon Genzi. T'as vu, il voit bien arriver pelé. Ben, père, arrête de faire muscleman avec moi à deux balles. Non, je voulais prendre ça, mais c'est pas grave, c'est bon. Il est là. On se met sur le côté, bonjour. Très bien. Oui, certainement, peut-être, certainement.
Non, on était juste venus pour la petite humiliation. Puis il y avait le tonton Maxi Blarf qui s'invente une vie sur internet là, avec son histoire de bagarre à deux balles. Donc l'intention c'était de lui montrer que moi je suis bien à Boulogne-Billancourt, puisqu'on m'avait donné rendez-vous de cinéma dans ce truc. Donc je lui ai donné rendez-vous et j'attends qu'il sorte d'ici pour qu'on règle le problème. C'est tout. Même compliqué. Pourquoi? Que voulez-vous me... Bah non, c'est tout. Non, juste qu'il vient, parle, viens, on va discuter avec lui. Mais tu sais, il n'y avait rien, en fait, il n'y a pas de... Non, mais t'as vu, frère, là, dans le truc, tout le monde est un peu paniqué. Mais vous paniquez non, pour rien, mais vous... Non, mais c'est normal. Vous paniquez pour rien, en fait, vous êtes dans un truc... Vous êtes dans un monde irréel, en fait, vous n'êtes pas arrêté, là, vous paniquez pour rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Mais ça se voit, il n'y a rien, en fait. Vous êtes en train de paniquer pour rien. Ça se voit, vous n'avez pas d'embrouille dans votre vie, là. Vous êtes tranquille, c'est un boulot tranquille. Non, mais c'est un boulot tranquille. Bah voilà, arrêtez de... ça vous fait un peu d'animation, ça s'arrête là. Maintenant, on va arrêter de faire comme si vous êtes dans une embrouille de fouille. On dirait qu'il y a un attentat, c'est pas ça. Donc là, maintenant, le problème, c'est Maxi Blarf. Maintenant, je veux savoir où est Maxi Blarf. Il faut qu'il sache que je suis là, que je suis à Boulogne-Billancourt. Et que s'il a envie de mettre les gants, on peut les mettre sur le parvis. Ça s'arrête là. Et maintenant qu'on montre la réalité, qu'on n'est pas sur Internet avec ses compagnies. Donc là, en fait, là, c'est juste une humiliation. C'est juste une humiliation publique. Voilà, ça s'arrête là. Il n'est pas là encore. Non. Et donc ça s'arrête là en fait, moi et l'autre, donc je sais pas pourquoi vous êtes venus, je sais pas pourquoi vous me présentez le patron, je suis content de vous conseiller, c'est là, c'est vraiment... Je m'en tape en fait, le mini-tap, il a déconné le mot-clat, clairement, je m'en tape. Tu vois, on se rencontre, ouais, mais c'est super, j'ai vu le contrat, allez, c'est super. Là, salut, faites vos trucs, tranquille, allez, non, écoute, frère, non, mais en fait, on a pas... Frérot, t'es le frérot, t'es le frérot, tu sais très bien. Il y a 50 bien. Personnes derrière, ils sont volés. Non, mais tranquille, hé frère, on rentre, tu me connais. Ils vont y aller, ils vont y aller. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit, s'ils veulent rentrer. Je connais, c'est le droit, ils veulent. Mais bon, t'as raison, je veux dire. Écoute, arrête, 50 principes. Arrête de parler de choses insignifiantes. Il n'y a pas de truc de zoulou. Il n'y a pas de truc de zoulou. Mais d'ailleurs, tranquille, on discute. On n'est même pas là-dedans, en fait. On n'est même pas là-dedans. On n'aime pas là-dedans. On n'aime pas ça. Non, mais moi, je. Mais si, c'est moi l'instigateur de tout ça, donc je sais ce que je dis. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bagarre. Oui, mais moi, c'est moi qui. Moi, je parle pas. Il y a toujours une tête. Écoute-moi, il y a toujours une tête pensante dans une affaire. Moi, je te dis qu'il n'y aura rien du tout. Le seul problème, c'est entre moi et Maxi Blarf. D'accord, elle n'est pas venue pour faire un... Juste le seul truc que j'ai pas apprécié, c'est Muscleman, j'ai pas supporté. Bon bah vas-y, attendez qu'il sorte, après vous parlez avec lui dehors. Ok les gars? Comment? Attendez qu'il sorte dehors, après vous parlez avec lui dehors. Toi tu veux nous mettre où en fait? Vous me mettez dehors, vous restez là. Tu veux nous mettre dehors? Tu vas pas dire ce qu'on va faire, s'il te plaît, merci. Dis-moi, tu veux nous mettre dehors? Tu veux nous mettre dehors? Tu veux nous mettre dehors? Non, attends, non, frère, Non, mais non, mais non, pas rester là. Arrête de t'inventer une vie, mon pote. Arrête de t'inventer une vie. Chut. C'est pas si t'inventes une vie, je m'en bats les couilles, c'est pas qu'à deux balles. Il y a pas de mec ici. Non, mais je te dis, t'inventes pas une vie, mon pote. Non, mais les laisse, ça veut barre à deux balles. Ah, il a mis fort, tout ça, il a mis fort. Descends sur Hello, Falk. T'as vu ce que je veux dire? Il a mis trop froid, il a montré en l'air du. Ils sont là avec leur pec à deux francs, les gens. Même tu mets une barre, mais c'est là, tu me connais bien. Arrête, c'est la famille, frère. Mais là, bonsoir, 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 monsieur. Il y a un souci? Non, il n'y a aucun souci, monsieur. Je suis venu voir un certain Maxi Blarf. Donc, ces messieurs tout à l'heure, ils se sont sentis agressés, comme je leur ai dit. Il n'y avait pas d'intention d'aller se bagarrer avec la sécurité ou quoi que ce soit. Donc, il y en avait un qui était malheureusement un peu trop agressif. Donc, je lui ai fait comprendre, arrête de t'inventer une vie parce que toi et moi, ça va mal terminer. Alors que t'es hors de propos, je suis pas venu pour faire une bagarre en costume. Donc, arrête ta comédie, etc. Donc, moi, j'étais venu pour une humiliation publique pour un pseudo-gangster d'Internet qui se fait passer pour un grand voyou. Donc, je lui montre qu'à Boulogne-Billancourt, c'est pas la street. Et qu'il est temps qu'on se rencontre tôt ou tard. Et basta, ça s'arrêtait là. Bah, c'était juste de deux. Du coup, ce ne sera pas ce soir. Vous allez devoir sortir. Ce ne sera pas ici. Vous n'avez pas le droit d'être là, vous le savez.
Moi, vous allez devoir sortir. Et puis tout va bien se passer, vous le verrez plus tard. Oui, mais, lui, non, mais le problème, c'est... Non, on a bien compris que vous êtes là pour nous empêcher, mais maintenant, suis allé jusqu'au bout pour bien montrer que c'est un bouffon et que heureusement qu'il y a une police en France pour te mettre bien à l'amende que t'es un gros tocard, Maxime, là. Et qu'en fait, que voilà, toute ta comédie d'Instagram et de bagarre à Orly entre chanteurs à deux balles, la réalité, c'est pas ça. Parce que s'il n'y a pas la police pour te sauver, ben ça dure pas 3 secondes. Voilà, nous on voilà. est là parce que vous êtes oui, non, mais j'ai bien compris. Et que vous devez pas être là, voilà, c'est tout. Non, surtout parce qu'on veut pas que j'aille voir le Mister à la baltringue, c'est tout. Il n'y aura pas d'incident, c'est sûr. C'est surtout qu'on veut pas que je vienne à la baltringue. C'est important que je remette les fondus à l'heure, donc que ça soit bien vu en direct, que tout le monde voit bien donc que la réalité... On vous engage à ressortir ouais. par là où vous êtes rentré, c'est dans les suites de secours. Oui, il n'y a pas de souci. Et puis, tout ira bien. On y va. On y va. La campagne et puis tout ira bien. Oui. Ok. Ah bah c'est bon. On a... Donc on a bien montré. Oh. Voilà, donc vous avez vu en direct hein, avec la police que Maxime Blard c'est la grande comédie parce que lui qui crache sur les blancs, les premiers qui l'appellent, c'est la police française. Donc Maxime Blard, la prochaine fois que tu ouvriras ta gueule sur internet, tu sauras que je te rencontrerai tôt ou tard. T'es un bouffon, t'es un baltringue, t'es un bouffon et Boulogne-Billancourt c'est le fils à papa. Il arrive, il est là. On est là, on est tous là. Non, il est resté dehors. Qui a mon manteau ? Il est resté dehors. C'est peut-être sur la table. Allez, passe-moi. Bah, va sur la table. Personne ne rentre. Le caméraman qui va sortir, demandez-lui, appelez-le, demandez-lui de récupérer votre veste. Get la veste à Patrice. Allez, là, c'est bon. Excuse-moi. Non, le plus important, c'était que ce soir, il soit bien mis à l'amende. Faut bien vraiment que tout le monde comprenne bien qui est qui et qui fait quoi. Le seul truc qui m'a stressé, c'est Muscleman. Ma mère, aujourd'hui, tu vas dormir ce soir. Non. Je dis, voilà, ce soir, elle est dormie à l'hôpital. Non, on avait fini en regardable, c'était pas le but. Non, on avait fini en regardable, c'était pas le but. Arrête avec ta muscu, là. Trop poussé, il y a trop de stéroïdes, ça leur monte à la tête au mec, non, un peu de beubard, c'est vraiment des lacs. Il y a moyen de prendre une photo, s'il te plaît, pour toi. T'es pas un fan de ton idole, ça va. Non, ça va, je pense qu'il y a peut-être dans ta tête, c'est l'idole. Oui, t'as capté, parce qu'ils sont lancés. Moi, je vous tiens, est-ce que, à ton avis, il va sortir par où ? Si, il va sortir. Il va devoir sortir. Par là ou l'autre côté ? Faut mettre deux équipes. Une équipe là, une équipe là-bas. Il va dormir sur place. Non, c'est bon. Hey, la mise à l'amende a été propre. Écoute-moi. Il est pas sorti. Maintenant, écoute-moi. Il est pas sorti. Il a bien compris. Ils savent très bien que j'étais là. Allez, on y va. C'est bon. Non, c'est ça. Non, c'est rien. Ouais, c'est ça. J'arrête le direct. Ouais, c'est bon.